nous voici ici sur Dataran Merdeka, qui signifie la place de l'indépendance. Merdeka, c'est l'indépendance. Sur cette place, on a un petit pré là où vous voyez les gens le prennent d'assaut. Et là, il est 18h30, hein, donc on est sur une fin de journée plutôt tranquille. C'est pris d'assaut. Et alors, sur cette place, on a l'ancien palais du sultan. Du sultan, comment? Je l'avais retenu, mais le temps de monter le matériel, je l'ai oublié. Ah voilà, voilà le palais du sultan Abdul Samad. Je vais vous montrer ça plus en détail. Bon voilà, on a une partie qui est jolie, mais pas forcément impressionnante. Mais par contre, l'autre partie avec cette horloge là, ça c'est vraiment très impressionnant, très très particulier comme architecture. Avec ces trois coupoles couleur cuivre un peu comme ça. Vraiment superbe. Hein. Un peu l'ambiance, il y a énormément de touristes, mais c'est très calme. Enfin, de touristes et de locaux aussi, hein. Mais c'est vraiment très calme comparé à ce qu'on a pu voir à Phnom Penh en fin de journée, par exemple. Même si, bon, là il y avait un peu plus de monde, hein, c'est vrai. Alors, ici, vous avez la fameuse KL Tower, l'antenne de télécommunication, hein, à 450 mètres de hauteur, hein, qui est un des édifices les plus hauts de la ville. Et alors j'en profite pour parler de cet édifice aussi qu'on voit ici. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu sur d'autres plans de cette vidéo. Alors ce bâtiment, en fait, je le vois depuis que je suis arrivé, je le vois carrément de ma chambre. Et ben voilà, il me paraissait très original, surtout qu'il est scellé, mais sans plus. Et en faisant la visite des tours Petronas, hier, hein, puisque j'ai fait le tour Petronas la veille du moment où je filme ce plan, et bien j'ai vu sur une maquette que cet édifice était présent. Donc cet édifice derrière la coupole était présent. Non seulement il est présent, mais en plus il est beaucoup plus haut que tous les autres. Bon, du coup, en grattant un peu, ben, je me renseigne et je me rends compte qu'il s'agit du Merdeka 118, je vous le dis en français. Hein. 118, pourquoi? Parce qu'il a 118 étages, et en fait ce sera le deuxième plus haut gratte-ciel du monde derrière le Burj à Dubaï, quoi. Donc cet édifice à Kuala Lumpur est le deuxième édifice le plus haut du monde. Et voilà dans un des nombreux Ramadan Bazar que l'on compte dans Kuala Lumpur, et notamment dans le mois de Ramadan. Hein, ici c'est le 1er avril 2023. Et là il est 19h10, donc les fidèles s'apprêtent à rompre le jeûne. Et vous voyez ici, bah, c'est toute une série de restaurants, c'est pas vraiment des gargotes, hein, il y en a aussi. Hein. Mais c'est plutôt des restaurants. Durée en vrai. Alors oui, donc ils commencent à faire le plein et qui seront pleins, puisque, comme je vous le disais, les fidèles vont bientôt, ou peuvent déjà, je ne sais pas trop précisément pour l'heure, rompre le jeûne, quoi, du Ramadan. Et donc voilà, plutôt original. Ça m'a été conseillé par le concierge bagage des Petronas Towers.
Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Superbe.